Il est là, il est en train de nager. Il est dans le tas là. Je le sors. Il sort pas, ça le prend. La première fois que j'en vois. Hein. Il a nagé vite. Hein. En fait, non, il a dû sortir dans les herbes au-dessus. Non, elle a pas vu. C'est pas un castor. Bonjour, je m'en fous. Ce matin, arrive à la clinique vétérinaire d'Annecy, donc du côté d'Argonnais, parce qu'en fait, il pose pas bien ses pattes avant. On se demande s'il y a quelque chose. Et en plus, il a maigri. Donc, il va là-bas pour passer une radio, une échographie, et donc voir ce qu'il en est. Il a vu des chiens. Harry ? Harry ? Du coup, il a plus faim. Non. Il a pas faim ce matin, il baisse un peu ce point, tu vois. Il commence à se nourrir un peu d'air par là en grattant. Eh ouais. Harry ? Ça fera plein de choses. Qu'il a le crin plus rude, ouais. Ouais. Comme un petit boudet. T'as des grandes oreilles, mais t'es intelligent comme tout. Il y a un jaloux là-bas, il arrive. Un jaloux, il arrive. Et elle a un autre. Regardez, ils arrivent tous. On n'a pas de pain, les amis. Non. Un petit boudet. Attention, si dans les douches de fil, tu vas reculer. Hein. T'as des grandes oreilles. T'es pas bien loin. Il y a rien d'autre. Ah non. Il y a le petit blanc qui arrive. Ça peut pas t'amener des maladies. Le cheval. Un jouet pour bébé. Ah oui. Un gros tracteur comme j'aime bien. Oui, c'est de la petite vache. C'est propre. Oui. Ouais. Sur le marché de Chambéry, on a trouvé deux poules pour offrir à mon beau-père qui fêtait ses 65 ans il y a deux jours. Et du coup, on a trouvé deux beaux spécimens. Ça y est, t'as tes poules. Voilà. Mais tu sais qu'elles sont lourdes quand même. C'est gigote ou pas là-dedans? Non. Non. On va essayer de. C'est super vite pour rentrer parce que c'est. Non, c'est propre. Pas intérêt de faire vos petits besoins. Non, mais c'est propre, il y a un scotch dessous. Elles sont toutes neuves, celles-là. Elles ont quel âge? Il a pas dit. Pardon, eh ben, elles commencent à pondre. Ah ouais. Donc 4, ouais. Ah, d'accord, 6 mois. Voilà, arrivé à destination, le poulailler.
bonheur. Quoi? T'as même pas vu une miniature. Non, il n'y a rien. Regarde bien, mais... C'est la première terrasse de la saison. Ouais. Très fort. Et une belle terrasse en plus. Première moule de la saison. Ouais. Et toi, premier tartare. Ouais, sans moule. Non, bon, je prends grand temps. Je prends photo avec des moules. C'est vrai qu'ici, en Savoie, on a la chance d'habiter une région où on peut avoir à la fois de la montagne et de l'eau. Et le lac d'Aix-les-Bains, je trouve vraiment magnifique. Si tu veux profiter encore. Ah, on n'avait pas un lit là, regardez. Ah oui, ou alors elle est chez Martial. Là, j'ai pas ça pour ouvert. Des brocantes, on n'a pas trouvé grand chose. Du coup, on est passé chez Botanique où on a pris un lilas, des fraises, enfin des fraisiers et un sapin. Et donc, mon chéri est en train de les planter. Vous n'avez pas dit du côté de la lavande? Ouais, mais vers la lavande, ça va pas.
Faut faire un trou de combien pour... Comme ça, mais un peu assez profond. Ils sont trop bons. Ils sont bons, ouais. Ouais. Il y a l'inspecteur des travaux finis. Non, même pas, il s'est barré. Et voilà. Nouveau petit venu dans le jardin. Nouveau venu. Nouveau petit venu, c'est pas français. Moins chaud. Tada, les fraisiers sont plantés après un petit coup d'apéro et du soleil en moins. Donc voilà pour les plantations d'aujourd'hui. Le petit épicéa est en place aussi. Donc je pense que je vais clôturer ce vlog et j'espère que vous avez vous aussi passé un bon week-end. Et voilà. Plantation terminée.